33, 34, 35, 37, 38, 39. Il y a beaucoup de gens, c'est impressionnant. Qu'est-ce que vous ressentez là? Dans une heure même pas, vous allez entendre Alizé, vous allez avoir en vrai pour la première fois de votre vie. Bah, ça nous fait quelque chose, parce qu'on l'a jamais vu. C'est la première fois qu'elle fait une tournée. Allez, venez avec moi. Et David rentre dans les coulisses. En fait, il va au bar de l'Olympia, l'endroit choisi par Alizé pour son interview. Vous vous rendez compte, j'ai Alizé en face de moi. Allez, courage David. L'Olympia, c'est un grand pas parce que je crois que tu n'as jamais fait une aussi grande salle. Qu'est-ce que tu as ressenti? Mais le premier soir, j'avais beaucoup le trac et j'étais fière de passer sur la scène de l'Olympia parce que tous les plus grands se sont produits. Et avant, c'était la consécration et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'y passer cette fois. Alizé, je sais qu'il y a plein de personnes de mon âge qui aimeraient devenir chanteur ou chanteuse. Chasser les gars, pourquoi qui pousse faire? Quel conseil pourrais-tu leur donner? Mais déjà, de croire en leurs rêves et d'avoir de la volonté et de ne jamais abandonner et de surtout rester naturel, ne pas chercher à être une autre personne. Chez Alizé, ce qui vous attire le plus, c'est sa voix ou c'est son physique? C'est son physique. Ah, au moins vous êtes honnête. On t'a vu souvent habillée en mini-jupe, très sexy. Est-ce que c'est pour attirer le regard des garçons? Tout simplement parce que j'aime les jupes et je me dis que si je les porte pas maintenant, ben je les porterai pas à 50 ans. Vous êtes pas chantés? Ouais. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Tout le monde à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Alizé Wunderbar? Oui, très Wunderbar, très beau. Allez, merci beaucoup, t'as de la classe, ciao.